bien beau. Est-ce que yoyé bien beau ou bien yoyé bien beau tout? Bon, voilà, on a mal. Reflecting in your eyes. Cette émission vous est présentée par Optimize Africa et vous est gracieusement offerte par South African Airways et Ernst & Young. La semaine dernière, nous vous avons présenté un comparatif entre les anciennes formes sociales congolaises et les formes sociales prévues par le droit OADA. Cette semaine, nous allons revenir de manière beaucoup plus détaillée sur ces dernières. L'acte uniforme sur le droit des sociétés et le groupement d'intérêts économiques définit ainsi les différentes formes sociales en droit OADA. Tout d'abord, la société en nom collectif est celle dans laquelle tous les associés sont commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. La définition de la société en nom collectif donnée par l'acte uniforme épouse les critères classiques de la société en nom collectif posés par l'ancien droit des sociétés congolais, à savoir la responsabilité solidaire et indéfinie des associés au passif social, ainsi que le principe d'incessibilité des parts sociales, sauf accord unanime des associés. La société en commandite simple est celle dans laquelle coexistent un ou plusieurs associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales, dénommés associés commandités. Avec un ou plusieurs associés responsables des dettes sociales dans la limite de leurs apports, ce sont les associés commanditaires ou associés en commandite. Dans ce cas, le capital de la société est divisé en parts sociales. Les mécanismes de fonctionnement de la SCS de droit OADA sont somme toute assez proches de ceux du droit congolais. Autre type de société, la société à responsabilité limitée est une société dans laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des parts sociales. Elle peut être constituée par une personne physique ou morale ou entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales. La société anonyme est une société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits des actionnaires sont représentés par des actions. La société anonyme peut ne comprendre qu'un seul actionnaire. La SCI est le transporteur de choix qui apporte l'inspiration de l'Afrique au monde et le monde à l'Afrique. En 2012, la SCI est également devenue le premier et seul transporteur à offrir des vols directs à partir de l'Afrique australe en direction de ce géant économique qu'est Beijing. Une route stratégique et cruciale reliant Johannesburg, capitale économique de l'Afrique, au centre politique, culturel et pédagogique de la Chine. South African Airways, qui apporte le monde à l'Afrique et l'Afrique au monde. Anciennement Ernst & Young, EY est un cabinet de conseil et d'audit pour construire un environnement de travail meilleur. Depuis le 1er juillet 2013, Ernst & Young est devenu EY. Nous sommes plus de 167 000 collaborateurs à travers le monde au service de nos clients. Notre firme est intégrée en Afrique, avec une présence dans 5 régions et plus de 33 pays, parmi lesquels l'Afrique du Sud, l'Angola et notamment la République démocratique du Congo depuis octobre 2007. Notre mot d'ordre ? La qualité dans tout ce que nous faisons pour nos clients. Nous vous proposons une offre complète, allant de l'audit jusqu'au conseil en management. Et nous créons pour vous de nombreuses publications sur l'environnement des affaires en Afrique, pour contribuer à l'image d'une Afrique qui grandit. Nous développons nos effectifs en RDC pour mieux vous servir. Vous souhaitez contribuer à l'image d'une Afrique qui gagne ? Vous souhaitez construire un environnement de travail meilleur ?
Choisissez EY. Depuis 2012, les dispositions du traité OADA régissent une part importante du droit des affaires en RDC. Eh bien, si vous n'avez encore rien compris au mécanisme de l'OADA, ce n'est pas grave. Suivez chaque semaine l'émission C'est quoi l'OADA sur votre chaîne préférée et sur Internet. Vous êtes maman commerçante, jeune diplômée, chef d'entreprise, artisan. Vous posez des questions comme par exemple, comment rédiger mon CV, comment vendre plus de produits, comment mieux organiser mon entreprise. Eh bien, retrouvez toutes les réponses dans l'émission Mes Mangas à la Top sur votre chaîne préférée. Mes Mangas à la Top s'adresse à vous. Vous pouvez être une maman commerçante, un jeune étudiant ou qui vient de terminer ses études. Les personnes désireuses d'opter pour la société de capitaux utilisée dans l'ancien droit congolais, la société par action à responsabilité limitée, la SARL. Cette dernière forme était obligatoire pour un certain nombre d'activités, les banques, les sociétés d'assurance notamment. Elle présentait un certain nombre d'inconvénients, dont le moindre était la nécessité d'obtenir une autorisation présidentielle. Peu de dispositions encadraient par ailleurs la gouvernance des SARL congolaises, à l'exception de quelques stipulations portant sur les commissaires aux comptes. L'équivalent en droit congolais de la SARL est la société anonyme, qui à mains égards présente de nombreuses évolutions remarquables qui seront évoquées dans l'émission consacrée à cette forme sociale. Nous sommes arrivés au terme de cette première émission d'introduction au droit des sociétés OADA. Pour plus d'informations, nous vous recommandons de consulter les deux actes uniformes suivants. L'acte uniforme du 1er janvier 1998 portant sur le droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique et l'acte uniforme du 15 décembre 2010 relatif au droit des sociétés coopératives. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les textes juridiques dans son intégralité sur notre site internet www.optimizeafrica.com/OADA. Cette émission vous est offerte gracieusement par South African Airways et Anton Young.